les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Alors pour cette nouvelle revue, je vais vous présenter aujourd'hui le Lightspeed Megazord issu de la série Power Rangers Lightspeed Rescue, connu au Japon, alors je m'excuse d'avance pour euh, ma prononciation, donc connu sous le nom de QQ Sentai GoGo5, et chez nous dans nos contrées, donc sous le, le titre. Power Rangers, Sauvetage éclair. Il s'agissait donc de la huitième saison qui était toujours produite par Saban et diffusée en France en 2001 dans l'émission TF Jeunesse. Cette team se battant pour cette fois donc contre l'arène Banshira et entre autres donc Diabolico et Olympius. Allez, sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Mini moi et mini mini moi. Quant à eux, vous ferons un petit concours, un petit coucou tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Ouais, bonne revue les mecs. Cette fois-ci et pour le coup, celui-là, il me plaît vachement. Allez, je vous laisse le découvrir avec Papitf. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien être un. Oh, voilà que je m'en pas à parler comme Papitf. Oh, bah ben là, ça va plus. Donc je disais donc. Moi aussi, j'aimerais bien être un Power Ranger pour péter les ratiches. à et moi, quand il est pas gentil, ouais. Bon, bah, allez, moi je vous laisse. À tout à l'heure, les mecs. Voici donc notre team Lightspeed Rescue au complet. Donc à savoir hein, que par rapport à la série euh, Power Rangers original euh, entre guillemets puisque c'est de celle-ci que je parle et non pas de la de la série japonaise. Donc il euh, y avait quand même trois particularités ou du moins trois nouveautés qui marquaient cette huitième saison. donc, euh, à savoir tout d'abord euh, que nos rangers tiraient leur pouvoir de la technologie humaine et non comme les précédentes de magie ou de pouvoir extraterrestre. ensuite, les ordres. il fallait savoir que les ordres, donc, étaient fabriqués par les humains. Et... C'est une série aussi, donc c'est la première série dans laquelle on ne retrouve pas de, de personnages de la précédente saison. Voilà, donc tous ces petits détails sont quand même à noter au passage, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les Power Rangers, c'est toujours bon à savoir. Donc on revient sur cette équipe donc de sauveteurs constituée donc d'Aqua Rescue. Euh, non, Pyro Rescue, pardon, excusez-moi, si je commence à mélanger les pinceaux, ça va plus aller. Donc Pyro Rescue 1, qui était comme sa couleur l'indique, piloté par le Ranger rouge. Aqua Rescue 2, qui était, quant à lui, évidemment, euh, piloté par le Ranger bleu. Aqua Rescue, Aero Rescue 3, celui-ci, donc, qui était euh, contrôlé par le Power Ranger vert. Ensuite, nous avons Aze Rescue 4, comme sa couleur l'indique. Voilà, contrôlé par le Ranger Jaune. Puis, pour terminer, donc, Med 5 Rescue 5. Voilà, piloté, quant à lui, par Force Rose. Alors, cette team est pour moi vraiment tout particulièrement intéressante, déjà premièrement parce que je suis fan de véhicules, donc là nous retrouvons bien entendu des véhicules typés un peu euh, futuristes et, euh, et imaginaires. Euh, ensuite donc il y avait quand même aussi trois modes. Alors certes pas aussi beau que pour le le, le Megazord précédent que je vous ai montré, euh, qui lui comportait quatre modes, mais bon il y a quand même trois modes. On est toujours donc dans des plastiques très robustes, accompagnés donc de parties notamment les articulations. En, en véritable métal, chose que j'aime aussi énormément pour cette team. Et puis voilà, on a des choses plutôt, plutôt, plutôt très sympas. Là, si on s'attarde un petit peu sur Pyro Rescue One, donc du Ranger rouge, voilà, on a un véhicule plutôt propre et soigné. Euh, le pare-brise en noir, euh, le gyrophare en rouge transparent. Voilà un petit peu pour les détails. Malheureusement, sur euh, mes les quatre principaux véhicules, euh, hormis celui-ci, donc je n'ai plus, le, je n'ai pas les stickers, hein, je n'ai pas les autocollants. Mais voilà, on voit quand même. Hein, si, si vous jetez un œil dessus, les nombreux détails euh, sculptés euh, sur les véhicules, vraiment très très soignés, très très propres, les petits trous bien sûr fonctionnels avec les jantes rouges donc correspondant à la couleur du véhicule. Voilà ce petit artefact à l'arrière, donc vraiment très très sympathique. Hein, euh, rien à dire là-dessus. Ensuite, on va passer au Aquarius 2 qui, de son côté, donc est un véhicule de type pompier puisqu'il est muni de canon à eau pour éteindre le feu alors malheureusement il m'en manque un, je n'en ai qu'un sur les deux donc voilà un petit peu pour celui-ci, on retrouve là encore donc le pare brise très petit en bleu, le gyrophare en rouge transparent voilà, les roues euh, légèrement euh, métallisées, enfin du moins les, les jantes légèrement euh, métallisées quelques petites touches de silver ça et là Toujours de très jolis euh, détails de, de, de moulures et de sculptures sur les sur les parties latérales. Voilà ce que ça donne de dos, de dessous, quelque chose de très propre. Voilà, rien à dire. Hein, les véhicules sont assez euh, assez euh, robustes. Nous avons donc le petit Aero Rescue qui est lui donc comme vous pouvez le constater, hein, je ne vais rien vous apprendre, un petit véhicule, euh, voilà, un petit véhicule volant. Là encore très très bien fichu avec un petit cockpit bien bien dessiné. Celui-ci donc est muni euh, du stickers et voilà du stickers euh, vert numéro 3. Nous avons également les petites turbines ici voilà qui sont euh, rotatives. Des jolies parties en silver euh, ça et là. Voilà du plus bel effet. Les petits réacteurs également donc à l'arrière sont en silver. Et vu de dessous, voilà ce que ça donne donc avec le train d'atterrissage. On passe à présent donc au S Rescue 4 de notre Ranger Jaune. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc avec deux petites vitres à l'avant en noir, un joli pare-choc et une calandre ainsi que les phares en chrome, comme j'aime. Tout comme pour le Pyro Rescue, nous retrouvons des jantes, donc, aux couleurs du véhicule. Voilà, un petit peu à l'arrière, de dessus, de dessous et de côté. Toujours, donc, avec de très jolies gravures et sculptures. Là, nous avons le, le numéro 4 juste ici. Voilà. Très sympathique véhicule. Et enfin, donc, on termine avec le Med Rescue 5 de, du Ranger Rose. Voilà. Qui, euh, ne, ne déroge pas la règle et qui, comme, le Ace Rescue 4 donc comporte un superbe pare-choc avant voilà tout en chrome avec un petit peu de noir pour bien faire ressortir les phares toujours donc euh, le pare-brise en noir nous retrouvons également donc le gyrophare en rouge translucide toujours les très jolis petits détails sur les côtés avec le numéro 5 voilà pour l'arrière de dessous là encore quelque chose de très propre voilà, et nous avons, et là, également, donc, les jantes, alors, bon, je suis, je suis daltonien, alors, je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression que les jantes sont, elles aussi, en rose, donc, pour aller avec les, le véhicule, donc, vraiment, voilà, une team vraiment très très fun, on retrouve également, donc, quelques gimmicks euh, pour quelques véhicules, alors, notamment, on va commencer, bah, euh, bah allez, on va commencer par ce, le, le Pierrot Resturant, donc, du Ranger Rouge, donc, celui-ci a la possibilité, alors, je vous montre ça tout de suite, là, de pouvoir voilà positionner les parties arrière comme ceci vous sortez ces pièces là comme cela et vous avez donc des sortes de euh, de de de, de, mâchoires, de pinces voilà pour venir euh, sans doute déblayer euh, le terrain lorsqu'il y a euh, voilà des accidents ou des éboulements ou euh, ou autres donc ça c'est plutôt sympa on a également un gimmick donc pour le Aqua Rescue euh, 2 donc le gimmick tout simple. Nous avons donc les canons à eau. Voilà. Que l'on peut pivoter à 360. Et comme je vous le disais, donc je n'en ai qu'un sur les deux. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Voilà. Rien d'autre de particulier à dire sur celui-ci. Euh, sur le Ace Rescue, nous avons donc l'arrière que l'on peut ouvrir comme ceci. Et vous avez également pour ce dernier, donc, une petite pince. Voilà. Articulée. Hein, et que l'on peut ouvrir. Là encore, certainement pour extraire euh, soit des gravats ou éventuellement donc euh, voilà des, des personnes blessées à condition de pas trop les écrabouiller en les chauffant. Donc voilà des petites choses quand même quand même appréciables. Et puis donc euh, pour euh, le med rescue 5 voilà bah tout simplement puisque c'est une ambulance, nous avons l'arrière qui s'abaisse de façon à pouvoir euh, à pouvoir placer donc des des, euh, des citoyens en péril, en danger ou tout simplement blessés. voilà un petit peu pour les gimmicks de cette team et nous allons passer donc à la première transformation euh, pour le mode hydro et c'est parti alors tout, tout d'abord donc pour ce premier mode nous allons mettre de côté ces deux personnages là enfin ces deux véhicules ci et nous allons nous concentrer donc sur ces trois là alors en premier nous allons procéder à la transformation donc de la base à savoir donc les pieds pour cela vous déclipsez l'avant de la cabine, vous la faites pivoter comme ceci et vous la loquez. Nous avons déjà cette première partie là. Ensuite, vous prenez cette partie-ci, vous ouvrez bien cette partie-là et vous venez caler le tout à l'arrière comme ceci. Même topo pour celui-ci. On déloque, on met en place et on ouvre on place cette partie donc de la porte arrière dans le dos comme ceci et ensuite donc on passe à notre petit euh, aqua rescue alors pour commencer nous allons retirer le double canon à eau comme ceci nous allons retourner le véhicule nous allons déclipser ces deux parties là et vous avez donc une glissière à l'intérieur un hein, qui est masqué mais vous allez voir juste ici donc voilà vous sortez ces pièces-là, vous les ramenez vers l'extérieur. et on voit donc euh, les, les charnières ainsi que les parties intérieures en acier véritable de façon à renforcer au maximum. donc, euh, ce personnage, ça c'est vraiment très cool. et pour finir, donc, nous allons venir placer ces parties là, les loquer comme ceci, et nous allons pouvoir fixer le tout. On lock bien comme il faut. Hop. Et plus qu'à lui rajouter. Donc normalement, ces deux canons à eau, pour moi, il n'y en aura qu'un. Et voilà. Donc nous avons le premier mode hydro. Alors oui, en effet, euh, ça n'a rien de spectaculaire du tout. C'est simplement deux jambes avec euh, voilà, cette partie-là. Euh, ça me fait penser un petit peu à. Bah, il y a un petit côté peut-être un peu Star Wars dans la recherche ou dans le, ou dans le concept hein, avec ces deux pattes, euh, voire même de, de, de méca. Donc bon, c'est pas le mode le plus fun, mais c'est toujours sympa de, de la voir. Et puis bon, en tout cas, comme c'est présent dans, le, dans la série, on le retrouve aussi. Donc du coup, pour le mode jouet, donc voilà, ça fait quand même bien plaisir. Et nous allons pouvoir du coup enchaîner directement sur la transformation. Alors, je réduis un petit peu l'image sur la transformation en mode Megazord. Voilà. Et plus précisément, Speed Megazord. Donc, nous allons retirer à nouveau le canon en haut. Alors, vous le placez où vous voulez. Moi, personnellement, voilà, je le place ici sur le côté. Comme ceci. Donc, vous prenez ensuite notre Pyro Rescue One. Vous allez venir déclipser cette partie-là. Et ensuite, voilà, rabattre ces pièces-là. Comme ceci. Ensuite, vous rabattez complètement cette partie-là par-dessus le cockpit. Vous avez deux ergots mâles ici. Alors, monsieur Focus, faites-moi quelque chose de propre. Deux ergots mâles qui vont venir se loquer donc, dans les deux petites mâchoires, juste ici. Voilà, pour bien bloquer l'ensemble. Ensuite, vous soulevez la cabine qui elle, va venir se placer donc, à l'intérieur de la ceinture. Voilà. On lock tout. Proprement, comme ceci. Plus qu'à mettre en position les bras. Ainsi. Bras épaulettes. Même topo de l'autre côté. On met ça en place. Le bras. Et ensuite, vous allez pouvoir sortir le point. Alors, vous sortez en premier le point suivi de cette partie-là, et après, donc, vous rentrez tout simplement le point, comme ceci, et à nouveau, cette partie-là, comme ceci. Même opération ici. On étire le tout. On met le point contre l'avant-bras, et on rentre le tout, comme ceci. Voilà. On peut à présent assembler cette partie-là sur celle-ci. Là encore, donc, pourvu D'ergot de fixation et de mâchoire juste ici. Voilà, on a bien entendu le bruit du loquet. Et on termine avec cette partie-là, qui, comme vous pouvez vous en douter, va former le cucu la tête. Alors, vous prenez donc les deux réacteurs à turbine à l'arrière, vous faites un quart de tour vers le haut, comme ceci. Vous sortez ensuite vous ouvrez le cockpit de façon à dévoiler le cul la tête tête vous faites une rotation des patins comme ceci pour avoir donc un, un alignement propre et correct ensuite vous soulevez ces deux panneaux là et vous n'avez plus qu'à venir loquer donc les ergots ici aux mâchoires juste ici vous mettez bien le tout en position, vous loquez. Voilà. Alors, comme ceci. Donc, ça vous donne quelque chose comme ça. Et pour finir, on vient lever les petites antennes sur le côté. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Lightspeed Megazord transformé. Yeah! Et petit 360 à présent donc de notre Megazord dans son mode robot. Voilà, absolument superbe. J'adore le look, j'adore la carrure, euh, j'aime ce côté à la fois moderne et, euh, et vintage. Euh, voilà, voilà, c'est vraiment une pièce que j'adore avec pas mal de petites finitions. Dommage, hein, euh, je n'ai pas les stickers pour que vraiment l'ensemble ressorte un petit peu plus, parce que les stickers apportent assurément un plus non négligeable. L'ensemble est donc vraiment bien proportionné, cohérent avec les petits réacteurs à l'arrière pour faire office de jackpack. Vraiment, j'aime bien. Vous voyez, il n'y a pas, voilà, pas une pièce n'a été euh, laissée pour compte. Le, le, le souci euh, du, du détail et du travail est vraiment à, à souligner, tout simplement. Voilà, une, une superbe pièce. Malheureusement, une fois de plus euh, pour le mode robot, je ne possède pas son épée braver. Euh, voilà, c'est quelque chose qui manque assez fréquemment sur, sur les robots. Mais bon, voilà quand même de quoi être plus que heureux et de posséder vraiment un chouette petit pépère. Petit zoom à présent donc sur le visage qui est vraiment très bien fait, très réaliste, et qui n'est pas donc sans rappeler justement les visages des, des ordres ou en tout cas des robots super sentai des années 80-90 donc voilà, ça j'apprécie aussi, les petits détails apportés, hein, les petites touches de silver sur le bas du casque, euh, cette petite partie-là, donc, en doré, avec, donc, le logo Lightspeed Rescue, euh, les petites antennes en, en jaune, voilà, ça, ça ressort plutôt pas mal, euh, la poitrine, donc, formée euh, du gyrophare principal, là encore, sur la petite ceinture, nous avons, voilà, la petite, euh, le petit emblème euh, que l'on peut, donc, pivoter, euh, voilà, vraiment... Très très joli dans son ensemble, du silver, voilà les petits détails, gravures, finition Alors au niveau des articulations, là encore pas grand chose de négatif à dire. Bon c'est toujours du, du 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 zord, du super Sentai, donc assez rigide euh, dans son ensemble, mais malgré tout donc nous avons quelques petits voilà quelques petites possibilités. Donc nous pouvons voilà baisser et lever la tête. Nous avons une rotation voilà intégrale euh, du bras. Nous pouvons également lui donner la pub d'oeuvre. Donc ça, c'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup. Hein, tous les, les robots n'ont pas forcément euh, cette, cette articulation-là. Euh, bon, les jambes sont fixes, le bassin est fixe. Et nous pouvons également donc voilà, lever et baisser euh, les pieds. Donc voilà, peu d'articulation, un petit peu plus que la normale. Et donc ça, c'est quand même là aussi euh, plutôt très sympa. Et en, en termes de gimmick, donc comme vous avez pu le voir dans le dans le mode véhicule, euh, vous avez aussi donc son mode Super Punch. Alors on voit ici, là, on a des petits, voilà, des petits lasers sur les côtés. Donc nous pouvons également voilà étirer euh, ses bras pour donner voilà des, 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 des super euh, super cutes, Et puis donc nous avons également voilà chose que j'aime bien, hein, c'est nous avons donc les doigts articulés. Voilà donc bref. Un robot qui en impose, qui en jette, euh, qui fait son taf. Et euh, voilà, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette forme, vraiment très très recherchée. Et à défaut d'avoir l'épée, je peux en tout cas lui mettre son petit canon à eau, Bon, certes un peu ridicule, mais voilà, c'est quand même mieux que rien. Donc vraiment un chouette petit pépère. Et pour le petit comparatif, alors je remets bien sa tête comme il faut. Je les mets côte à côte. Et voilà, donc nous allons comparer au Megazord précédent pour lequel je vous avais fait donc une revue, vraiment aussi un Zord que, que, que j'aime énormément. Donc à savoir le, le Time Force Megazord. Et on peut voir que voilà, en termes de taille, on est tout à fait dans le standard. Alors bien sûr, il y en a certains qui sont plus grands, mais disons que voilà, on a quand même un standard assez fréquemment utilisé pour les véhicules de base. Donc voilà, rien de voilà, rien de choquant, c'est tout à fait correct et très plaisant. Voilà, avec même si j'ai vraiment euh, voilà beaucoup d'affection euh, sur le sur le Time Force Megazord, euh, voilà, ma préférence ira quand même sur celui-ci que je trouve bien plus réussi. Et je vous présenterai donc également prochainement euh, son pote, donc le second Zord de cette de cette gamme-là, donc le Omega Megazord. Cette fois-ci, une pièce que j'ai eu au Japon, donc la véritable version japonaise et non US. Donc voilà, vous remarquerez à sa présentation que celui-ci est juste une petite pépite, une véritable tuerie. Mais en attendant, donc celui-ci est vraiment sensationnel. Voilà, les petits amis, c'est ainsi que s'achève donc cette revue consacrée au Lightspeed Megazord issu de la série Power Ranger Lightspeed Rescue, voilà ou Sauvetage Éclair chez nous. Euh, J'espère que cette revue vous a plu, vous a intéressé, vous a permis donc toujours de découvrir... Euh, un nouveau robot qui change un petit peu de l'ordinaire. Hein, voilà pour l'histoire, l'historique des robots. Euh, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa également aussi pour moi de vous faire partager mes coups de cœur, d'avoir fait découvrir donc cette figurine ou redécouvrir euh, aux possesseurs ou aux anciens possesseurs ou en tout cas ceux qui ont connu la série euh, cette vraiment superbe figurine. Hein, si vous la trouvez un jour, euh, ne vous posez pas la question. N'hésitez pas, foncez dessus. C'est voilà, c'est juste du bonheur. Euh, tout est vraiment élaboré. J'aime autant les modes véhicules. Que le mode robot, la transformation est vraiment sympa et bien pensée. Euh, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on n'a pas forcément un véhicule pour faire un bras et un autre véhicule pour faire un autre bras. Là, voilà, on a quand même, une... voilà, un robot qui est soigné, bien profilé, une bonne carrure, euh, des proportions vraiment soignées. Donc, voilà, tout ce qu'il faut pour vous rendre heureux. N'hésitez pas, comme toujours, à me laisser vos impressions, avis, suggestions, donc dans les commentaires. C'est toujours très sympathique à vous de vous voir autant euh, participer euh, donc euh, à la vie de, 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 de ma chaîne et donc à contribuer euh, autant et aussi sympathiquement que, que vous le faites. Euh, N'hésitez pas. Et d'ailleurs, je vous en remercie d'avance pour vos petits pouces bleus. Hein, je vous en dis, je vous le dis pas à chaque fois, mais bon, voilà, ça fait toujours super plaisir, bien évidemment. Euh, donc voilà si euh, voilà, rien de tel euh, si vous avez apprécié cette, cette revue que de me laisser un petit pouce. Voilà, ce sera signe que je vous ai pas fait du caca et que j'ai réussi donc à, à partager un petit peu ma passion avec vous, à vous intéresser, enfin bref, vous connaissez euh, la rengaine. Euh, Bienvenue donc euh, aux nouveaux abonnés venus rejoindre ma petite famille de fans de Transformers et autres robots, voire jouets transformables. Euh, voilà, j'espère que vous vous plairez euh, parmi nous. Euh, et comme d'habitude, donc merci infiniment aux plus anciens euh, qui se reconnaîtront, euh, toujours là donc pour m'encourager, <laughs> pour me soutenir, pour faire évoluer et grandir ma chaîne, et moi-même par la même occasion. Donc voilà, je vous remercie pour tout. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite donc un bon week-end. Profitez-en bien, reposez-vous bien, amusez-vous bien, faites la fête si vous le voulez, euh, quoi qu'il en soit, de toute façon, sachez que... Faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. En secours, le vini et moi il arrête pas de m'embêter. Tu veux pas me défendre, mec Quoi Mais ça va pas, non Qu'est-ce que je t'ai fait, moi Pour une fois que je te fous la paix, t'abuses, mec. Attention, victory. prominence. <laughs> Eh ah, hey, euh. hey, Mais qu'est-ce que tu m'as fait Regarde Je suis redevenu tout jeune J'ai plus de flaquette, J'ai plus rien Mon t-shirt J'ai les cheveux jaunes Ah Je suis redevenu un vieux Playmobil Eh ouais Un bon vieux Playmobil vintage Tout bleu Au oh, moins, tu pourras te prendre pour le Ranger bleu <laughs> Alors là, mec Tu l'as bien cherché je vais me venger Tu me laisses car le choix Allez Vengeance Oh Ma que tu me fais Eh ouais Je t'avais dit qu'un jour, je te transforme en licorne si tu me gonflais trop Eh ben, c'est chose faite Voilà Bien fait pour toi Ah Allez Pleure pas Demain tu vas chier des paillettes. Ça va te faire du bien. <laughs> oh, c'est trop humiliant. One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly?